Hey, salut tout le monde, c'est Rétio, et on reprend l'aventure sur Warhammer 2 Total War, et nous devons défendre encore une fois notre chère Bretonnie face à l'invasion de Trog, ainsi que d'une harde du chaos menée par Sushgu Manchtrip. Voilà. Donc, j'ai bougé mes agents un peu, là il faut que je bouge un peu mes troupes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me pointer avec Louan par là. Ouais, on va se pointer ici en fait. On va venir là, on va réunir tout le monde ici. Ce que je vais faire, bah parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans cette zone. Parce qu'en fait de là je peux aller à Gorcel et à Marianbourg. Si des fois Trog décide de changer d'avis. Voilà, j'espère qu'il va accoster, comme ça je vais pouvoir le péter. Au cas où, si jamais il vient de ce côté, il y a les nains et le Middenland. Même si à mon avis, le Middenland ça suffira pas. Mais peut-être que les nains, ils peuvent leur faire des dégâts. Ah ouais, mais non, les nains ils sont pas en guerre contre eux. Bref, on a aussi une grande nouvelle. Puisque la faction des Von Karstein a été détruite non loin de... Barakvar, voilà, en fait, Isabella a recruté en masse, a attaqué Barakvar, a reperdu, elle s'est repliée vers Dok Karaz et il y a les renforts de Ulter Damin qui sont arrivés et qui ont terminé le boulot. Voilà. Du côté de l'Empire, l'Empire s'est amusé à recoloniser Kislev, voilà. Et de ce côté-ci, eh ben, mes troupes donnent toujours la chasse à Karan, donne la mort. J'ai pas réussi à... Comment dire, à ralentir son armée. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va... Ah non, attendez. Parce qu'elle, elle a un gros mouvement. On va avancer avec lui d'abord. Voilà. Tiens, lui, il avance en marche rapide. Voilà. Et toi, tu vas avancer aussi en marche rapide, quoi. Ouais, bah, avance en marche rapide parce que... Parce que de toute façon... Si tu avances en marche normale, tu n'arriveras pas à rejoindre ton petit copain. Chie le froid. Voilà, on perd des troupes. Je sais pas combien on perd, c'est dommage. Là, ensuite, les Norska. Voilà, on va bouger vers la jetée au serpent. Et la forteresse des damnés. La faction Agol. C'est une autre faction de Norska, il me semble. Enfin, pas de Norska, mais de... comment ils appellent ça? C'est une Norska, voilà. C'est des Norska, à Gol. Bon, et peut-être qu'après la jetée au serpent, je me ferai une petite pause pour me reconstituer mon armée, parce que j'ai quand même perdu quelques troupes. Et à ce niveau-là, eh ben, on est plutôt pas mal. J'ai bougé mes agents, j'attends qu'ils accostent. Mes revenus sont remontés à 4500. Je comprends pas comment c'est possible. Et concernant cette armée, en fait, je vais pas échanger les troupes maintenant. Je vais garder. En fait, je vais attaquer en force. Et après, je pourrai balancer tout ce joli monde. Même si, à mon avis, je peux quand même le faire maintenant. Là, t'en as 6. Ouais, je pourrais peut-être le faire même maintenant, quoi. Alors, on va essayer de se faire un petit... une petite organisation. Louant. Louis. Louis, tu vas aller par là. Très bien. Toi, tu vas aller voir Louant. Et tu vas lui filer un écuyer. Voilà. Tant qu'à faire, on va lui filer un bon. Hein. Ouais, voilà, c'est bon. Paf. Très bien. Louan, maintenant, tu vas prendre lui. Tu vas me virer tout cela. Tu vas me virer tout cela. En fait, tu vas virer tout le monde, quoi. Et tu vas juste me prendre 1, 2 et 3. Et 4 et 5. Et je suis à 19. Pourquoi 1, 2, 3, 4. Mince, il va m'en manquer un. Ah mais ouais, je suis con, c'est parce qu'en fait je l'ai perdu. Je l'ai perdu, bon c'est pas grave. I go for. Tu vas faire ça et toi... Tu vas... Oh merde. Alors toi, tu vas refiler à lui les deux là, voilà. Et peut-être que tu vas faire un échange sur les Pégases royaux.
et les trébuchets. Voilà. Alberic, ton armée est bonne. Louan. Il est où voilà. Toi, tu vas retourner dans l'armée de Louan, finalement. Et Louan, il lui manque un écuyer. Honor before glory. Ok, bon, on fera ça au prochain tour. J'espère que Trog va... va accoster, que je vais pouvoir le pulvériser. Oh, alors voilà, j'ai Carandon la mort qui m'attaque en force. Commandement, qui on va la donner, commandement? On va la donner à l'écuyer, hein. Alors bon, il a eu le temps de recruter des élus. Il a 4 unités d'élus. Les élus, c'est super balèze, putain de sa mère. Oh, putain, non, les chars. Les chars, c'est une plaie. Bon, les chevaliers du chaos. Ah, c'est pas mal. En fait, il a une armée pas dégueulasse. Il a surtout un canon, mais je peux m'en occuper avec mes Pégases. Bon, alors, la strat, elle va être simple. Hein. Je vais regrouper tout le monde et je vais y aller comme un gros bœuf. Voilà, c'est parti. Et nous voici donc pour la toute première grande bataille contre le chaos de Karan donne la mort. Et pour affronter cette armée, j'ai regroupé mes deux armées. Et la première action que j'ai faite, c'est d'envoyer mes chevaliers à Pégase contre ben, justement le canon de l'apocalypse qui peut être vraiment très dangereux. Et mes chevaliers à Pégase royaux ont fondu sur le canon du chaos. Et bien qu'ils soient très affaiblis, ils ont réussi à anéantir une bonne partie des nains du chaos qui manipulent cet engin. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, le chaos a envoyé des renforts, ce qui va m'obliger à replier mes Pégases. Et alors que mes troupes ne sont pas totalement positionnées, on peut voir que sur mon flanc gauche, les chevaliers du chaos s'en prennent à mes chevaliers du royaume, soutenus par le char du chaos un petit peu plus loin. Et sur mon flanc droit, le schéma est le même. Les chevaliers du chaos ont chargé en plein dans l'arc de mes chevaliers du royaume. Et sur mon flanc gauche également, j'ai les gardiens du Graal, les purgeurs du chaos, qui s'en prennent au char du chaos. Mais ces derniers vont être secourus par 3 unités de guerriers du chaos. Et un violent combat va s'engager entre mes purgeurs et ces engeances du chaos. Quant à mon centre, mes écuyers ont enfin été chargés par le restant des guerriers du chaos. Et le combat va s'avérer très difficile. Et vraiment, l'objectif, ça va être de tenir le plus longtemps possible afin que mes chevaliers puissent se défaire de leurs ennemis pour venir charger dans le dos des ennemis. Malheureusement, mes chevaliers ont extrêmement de mal face aux chevaliers du chaos. Si bien que je vais être obligé d'envoyer mes chevaliers du royaume, mes gardiens du Graal, ainsi que des Pégases royaux sur une seule unité de chevaliers. Et malgré le soutien de la fée enchanteresse et des archers, cette unité d'écuyers est en train de céder face à la multitude de guerriers du chaos. Et même si les guerriers du chaos ont pris énormément de dégâts dû au soutien de mes archers et de ma magicienne, mon centre a été totalement anéanti, mes écuyers sont en déroute et il n'y a que mon seigneur pour tenir la ligne. Et alors que ma ligne est en train de céder, que mes chevaliers peinent à vaincre leurs homologues du chaos, cette unité de purgeurs du chaos est en train de faire une résistance héroïque face à 3 unités de guerriers du chaos. Et sur le champ de bataille, les troupes du chaos donnent énormément de fil à retordre à mes unités. Malgré cela, je parviens à les mettre en déroute, m'offrant ainsi la toute première victoire de la Bretonie face aux forces du chaos. Boss de bataille. Putain, c'est chaud quand même. Le chaos, ils sont chauds, hein. Et ils avaient que 4 unités d'élus, hein. Bon, il y en a une qui a pas fait grand-chose. Mais putain, j'ai des gardiens, les purgeurs du chaos, ils ont bien purgé quand même, hein. Ils ont eu un peu de mal, mais bon, ils étaient tout seuls contre 3, donc ah, je suis content. Putain, il en reste 60, c'est les... Putain, les chevaliers du chaos, ils font vraiment mal, quoi, c'est pas possible. C'est vraiment chaud quand même, hein. Faut vraiment que je les affronte à 2 armées à la fois, hein. Le firmament s'assombrit à l'horizon, monseigneur.
Une arche noire s'approche. Les elfes noirs utilisent leur puissante forteresse flottante de guerre pour soutenir leurs forces à l'étranger. Engager le combat avec des armes aussi puissantes nécessite une grande précaution, car elles sèment la ruine sur ceux qui ne sont pas préparés. Oh oui, mais bon, moi je suis assez loin, ça me concerne pas trop. D'ailleurs, on peut voir que les... merde, comment ça s'appelle l'ordre des maîtres du savoir. Ils sont fait attaquer par le culte du plaisir. Il y a une petite percée, hein, ils ont perdu 3 colonies. Par contre, les elfes, pareil, hein, ils ont fait une percée. Ils sont emparés de Nagarond, ce qui est plutôt pas mal. Ils ont des armées à tout va, à tout bout de champ. Là c'est les hommes lézards, ils sont plutôt tranquilles. Et là encore les orbes, les maîtres du savoir qui sont là. Et on peut voir les factions de Code Vampire et les noyés qui sont, il me semble, en guerre. On peut voir aussi du côté de Khemri. Qu'est-ce que c'est que ça? Tour noir d'Arcane. Ok, bon bah il semblerait que tout se passe plutôt bien pour Khemri, hein. La dynastie machin, d'accord, ok. Bon, on s'en fiche. Les orques, ils sont en train un peu de se faire un peu poutrer aussi. Bon, les nains, ils ont toujours pas récupéré le caraco 8 piques. Je sais pas ce qu'ils glandent parce qu'ils ont quand même des bonnes armées dans le coin, hein. Mais bon, et nous, eh ben on a remporté une putain de victoire de ouf. Vraiment, je suis content là. Bon, j'ai pas réussi à tuer Karan donne la mort, mais t'as la vache. Bon, j'ai perdu une unité d'écuyer, il me semble. Et là, putain, il est grand temps que je rentre à la maison avec ces deux armées, histoire de les régénérer, quoi. Toi, on va te bloquer, puis on va te mettre l'immortalité. Ça, c'est bien, ça, l'immortalité. Putain, toi, t'es presque bien, hein. T'es presque au taquet, quoi. Voilà. Et maintenant, que va-t-on faire? On va en finir avec Karan donne la mort, hein. Voilà, histoire de sortir de ce bourbier, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui donner à notre bon... Ah, serment du Graal, voilà. Ça, c'est bien, ça. Et un petit cheval, on va lui donner, tiens, histoire qu'il aille un peu plus vite. Voilà, très bien. Allez. Est-ce que je peux en finir maintenant? Non, il va se replier. Oh, il m'affronte quand même, hein. Il m'affronte, les commandements, on va lui donner à lui, hein. Alors, je vais la faire, histoire de limiter un peu les pertes, hein. Parce que je sens bien que ces saloperies, ils vont me tuer des unités. Et voilà, Karan donne la mort. Ben, il est mort, enfin. J'ai pulvérisé cet enfoiré qui est toujours pas mort d'ailleurs, hein, voilà. Ces hommes ont reçu une bénédiction. Oh. La dame les protégera dans leurs actions héroïques. Oh, j'ai eu la bénédiction de la dame, c'est parfait. D'ailleurs, la dame, elle a eu un petit niveau. Qu'est-ce que je vais lui donner à la dame? La dame, elle a plein de trucs là. Plus 2 pour les chevaliers du Graal, les gardiens du Graal, attaque en mêlée, je vais le prendre. Autorité, croissance, intégrité. Ok. Oh, résistance ultime 10% pour tous les héros dans toutes les armées. Ah bah tiens, ça c'est bon ça. Et on va se l'achever, hein. On va se les finir, hein. Voilà, hein. Terminé. Oh putain. Boah, faction détruite, les guerriers du chaos. Putain. Et j'ai gagné une couronne de commandement, c'est bien. Bon, obtenu en remportant 80. Oh putain. Ouais, plein de choses. Bon, maintenant il faut qu'on se casse d'ici. On va se casser d'ici, on va rentrer à la maison Fissa. D'ailleurs, Chilfroid, t'as eu un petit truc. Chilfroid, si on te filait un petit Pégase. Non, on va te laisser comme ça. Chilfroid, qu'est-ce que t'as de beau? Chilfroid, on va lui mettre... on va lui mettre des trucs comme ça.
défense en mêlée, plus 2 pour les unités d'infanterie de mêlée. Allez, on va lui mettre ça. Tac. Bon, là, maintenant, le but, c'est qu'avec cela, je rentre à la maison, je me refais et je me prépare. Et j'ai dépassé les 2000 de chevalerie. Putain, 12 000 ! 12 000 de revenus. Bon, à mon avis, c'est parce que j'ai perdu des troupes, donc... ouais, ben, on est pas mal. Bon, ensuite, là... Là, on a un petit problème, là, parce que l'ami, là, il a accosté ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Louan, tu vas avancer. Voilà. On va avancer. Il est où le mec qui est avec toi là? Louis Armistead. Tu vas venir là. Très bien. Lord and hero. Non pas Adalhard. Toi, Alberic, tu t'avances aussi. Adalhard, tu t'avances aussi. Adalhard, voilà. On a les Hardes du Chaos qui, à mon avis, vont essayer de me contourner. Voilà, et ces enfoirés vont certainement m'attaquer à l'anguille. Chose qui est chiante. Toi. Donc on a géré nos armées. On va s'occuper de lui. Lui, là. La jetée au serpent. Allez, la jeter au serpent. Voilà. Pareil, devrait pas poser de problème, la jeter au serpent, non? Voilà. Et on rase. Boum. T'as eu des trucs, c'est bien. Bon. On est pas mal, la jeter au serpent. Qu'est-ce qu'on a ici? Le monolithe de Catane, je crois que c'est la... Non, c'est pas la... Voilà, c'est pas la capitale. On peut peut-être continuer à avancer vers le monolithe. Et après, on se fera en mode campement pour récupérer nos troupes. Une, là. Il y en a une qui est forte, là. Niveau 12. Tu peux le bloquer. Allez, bloque-le-moi. Si tu me le bloques, c'est bon. On le déboîte. Allez. Oh, et voilà, magnifique. Donc, Trog, il est bloqué. T'as gagné un petit niveau. C'est parfait. On va te mettre le bloqué, justement. Et on va te mettre un être du dessous. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir m'acharner avec tous mes agents. Ok. Et niveau argent, on va garder l'argent parce que à Magritta, on a un bâtiment spécial. L'arc et les diastomes de Myrmidia. Voilà. Qui coûte 16 000 quand même. Qui coûte assez cher. Mais qui me donne surtout moins 5% d'entretien pour les hommes d'armes et les écuyers. Chose que je possède. Donc, je vais m'économiser les sous-sous. Et je vais les garder pour le prochain niveau. Le prochain tour. Et en fait, on va s'arrêter là, voilà, sur cette grande victoire contre le chaos. Même si il reste encore, une harde ici. Une petite unité là qui vaut pas grand chose. Et surtout voilà une harde là. Putain, celle-là je l'avais perdue. Je pensais qu'elle avait été détruite. Mais finalement non, elle revient. Donc il va falloir que je surveille ça de près. Surtout qu'en plus eux, je sens bien qu'ils vont m'attaquer à l'anguille. L'anguille qui n'est pas du tout protégée. Donc il va falloir que je gère bien Trog. J'espère que je serai tenté d'attaquer Je serai vraiment tenté d'avancer là. Trog, il a... Ouais, mais Trog, il a des compétences de campagne. S'il a l'attaque... L'attaque est claire, on est mal. On est vraiment mal, on pourra pas s'enfuir. Donc c'est pour ça, je vais rester regroupé là. J'espère que les nains vont leur faire mal. Voilà. Et comme ça, je peux rapidement me retourner vers les Hardes du Chaos. Et on va se laisser ici. Et on se retrouve pour la suite de l'aventure au prochain épisode. Ciao tout le monde!